Ah que coucou les gens, c'est Tiltech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 13e épisode de The Evil Within 2. Donc, rapide récapitulatif de ce qu'il s'est passé. Alors, c'est pas du tout par là que je vais aller. De ce qui s'est passé dans le précédent épisode, donc c'est-à-dire le 12e. Donc, nous avons fait la quête secondaire de Sykes qui nous permettait d'allumer un serveur pour lui et que lui trouve une sortie et qu'en contrepartie, il nous ouvre des coffres avec un meilleur loot. Nous avions aussi été à faire une quête secondaire qui au final nous avait ramené dans nos souvenirs avec encore ce fameux fantôme féminin qui, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de la frapper. Et là, dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons continuer la quête principale qui est tout simplement d'aller dans le théâtre. On va pas non plus tergiverser. Et nous avions aussi récupéré... Ah, oui, et elle nous avait agressé aussi. On va pas non plus rester des heures sans... Ah putain, j'ai déjà une hache. On va pas rester des heures à tourner en rond pour trouver la suite de la quête secondaire. De toute façon, cette map-là m'est libre d'accès. Donc je n'ai juste qu'à la visiter un tout petit peu pour pouvoir trouver. Et puis même, avancer dans l'histoire, c'est toujours cool. C'est surtout qu'en fait, je préfère avancer dans l'histoire. Parce que là, si je me trompe... Si je ne me trompe pas, pardon. Oula, j'ai cru qu'il y avait un trou après. Nous allons bientôt arriver... Ah oui, vous la voyez. Nous allons bientôt arriver, donc cette vidéo normalement sort mercredi, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Et un nouveau let's play forcément sur le second épisode de Wolfenstein. Moi j'aime bien les seconds épisodes moi en ce moment. Eh bien il arrivera aussi soit vendredi, soit samedi. Excusez-moi. Et donc ça a pour effet qu'en fait il va falloir que je m'organise. Donc c'est toujours cool que je sois vers la fin de The Evil Within avant de commencer Wolfenstein. Sachant qu'après Wolfenstein, quelques jours plus tard, il y aura un autre let's play qui va se lancer. Alors forcément vous calculez par rapport... Alors j'attends, hein, il y avait peut-être y avoir une cinématique. Alors forcément vous calculez un jeu qui sort peu de temps après Wolfenstein, il n'y en a pas 800. Et même il y aura d'autres vidéos qu'un let's play sur ce jeu où je vais vous faire un let's play. Mais enfin voilà, on va pas tourner autour du pot, c'est tout simplement Call of Duty. Et j'ai envie de vous faire la campagne. Alors la campagne de Call of Duty n'est pas souvent super ouf, mais là le seul point pour lequel j'ai envie de le faire, déjà c'est la Seconde Guerre mondiale. Et de deux, ça se passe en Normandie. Je suis normand, ça serait toujours cool. C'est dégueulasse, hein, les deux images qu'on voit. Ça serait toujours cool que j'arrive à reconnaître des petites villes, etc. Donc quand ça parle de ma petite patrie, je n'ai dit jamais non. Enfin voilà. Donc on va continuer, donc c'est pour dire que j'essaie d'avancer un petit peu quand même quoi, dans la campagne. Son délire à lui. Oh les photos hein. Sans, Lily est à l'intérieur. Tu t'avances peut-être un petit peu trop. Vous n'avez pas apprécié la performance de ma superbe Obscura. Peut-être que vous aimerez mieux ceci. Écoutez. Non, à l'aide, quelqu'un. Je prépare mon plus grand chef-d'œuvre. Mais vous ne méritez pas encore d'en être le témoin. Pas avant d'avoir appris à respecter mon art. Écoutez. Écoutez leurs cris. Les échos de mon travail. Respecter son art, hein? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffmann. Chapitre 7. Désir d'art. Ok, nickel, on adore. Donc, deux quêtes principales. Donc, nous, on va aller à celle-là, c'est la moins loin. Ok, œuvre de Stefano a été enregistrée. Donc, nous ne pouvons pas encore entrer dans le théâtre. Il faut qu'on aille voir son œuvre. Super. Enfin voilà, hein, en revenant un peu au let's play. Moi, Wolfenstein, c'est un jeu, le premier, j'avais adoré le faire. Enfin voilà, l'histoire elle est pas non plus ouf, c'est enfin voilà, hein, vous connaissez les Wolfenstein, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement les nazis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et nous, notre but, on va aller leur péter l'urètre et ça va se terminer comme ça. Enfin voilà, c'est pour ça que je vais vous faire ce let's play peu de temps, dans pas longtemps. Super, allez. Grosse pute. Oh, J'adore les haches. Je vais juste aller en récupérer une vite fait avant de partir. Vu que je suis juste à côté du truc de Sykes et que j'ai une hache sur la voiture. J'aurais pas dû passer par là d'ailleurs. Parce que dangereux. Parce qu'il y a encore l'autre folle. Et l'autre folle, franchement, je crois qu'elle va me casser les couilles. Parce que j'ai pas envie d'utiliser des munitions pour la tuer.
Donc je vais juste récupérer une hache et ensuite je vais à l'objectif. Hein. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment. Alors. Ah oui, autre chose, je suis pas sponsor Bethesda. Je ne serai jamais sponsor par quoi que ce soit. Je dis ça parce que bon, je suis en train de faire The Evil Within et le prochain jeu que je fais en let's play, c'est un autre jeu Bethesda. Donc, je déteste l'entendre courir. Où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai pas compris. Ah, c'est où? Ah, bah, je peux passer par là du coup. Cool. C'est cool. Alors. Je sais pas tellement quoi dire en fait pendant les let's play. Enfin, je veux dire, souvent j'écoute ce qui se passe. On va passer par là. Hop allez. Donc du coup, c'est pour ça que je raconte beaucoup de conneries. Et aussi que je parle des prochains let's play qui arriveront. Du coup, c'est beau, chelou. Parce que au moins ça me permet d'avoir un petit sujet de discussion. Hop allez, comme ça part en couille. Je peux tirer là-dedans. Alors. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non. Je sais pas, la porte elle me paraît assez suspecte. Oui, bah je m'en doute, il faut que j'en monte. Bonjour. Non, elle nous a pas vu. Non. Non, je vous dis. Non. Alors. C'est l'hôtel. Je crois que c'est l'hôtel. Attendez, j'appuie beaucoup sur pavé, mais. Servez-vous du communicateur pour détruire les œuvres d'art. D'accord. Donc je pense que les œuvres d'art, bien évidemment, ce sont des boss. Hein, sinon le jeu. Le jeu n'est pas drôle. Vite. Voilà, comme ça on n'est pas embêté par l'autre folle là. Sa voix me rappelle quelque. Elle s'amuse, elle monte sur les bus. Bon, d'accord, me donner des seringues et des munitions, les gars, je sais ce que ça veut dire. J'ai joué à plus de jeux que vous. Oui, bon, j'en doute, mais quand même. Quand même. Alors. Oh oui, des trucs à taper, c'est cool ça. Allez, tapons donc dans les trucs pour pouvoir faire sortir d'autres trucs. Ah, je vais pouvoir faire des. Ok. Ok, donc dès qu'il nous donne un truc de merde, c'est que c'est plus rien à prendre. Du gel vert, c'est nice. Faut que j'arrête de spammer croix. 9150 quand même. Je m'en fous, hein. Toujours l'eau. Ah bah voilà. Encore. Bon, ok. La persévérance persévère, mais ouais, bon, bref. Ah, je me pose une question. Pourquoi ma manette vibre alors que je ne bouge pas? Oui, parce que je. Voilà. Je vous dis tout. Ma manette vibrait alors que j'étais juste en train de bouger. Alors que là, quand je bouge, là, elle ne vibre pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire violer? Non. Peut-être? Oui. Alors, bonjour. Ok, c'est à cet étage. J'ai un silencieux au cas où qu'il y ait du monde. J'ai ma hache au cas où qu'il y ait moins de monde. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille? Ça, c'est de l'art. C'est juste une photo. Alors, la photographie fait partie des arts. Il va falloir que tu t'apprennes des choses, Sébastien. Il va pas falloir la combattre, elle. Voilà. J'ai entendu de l'âme. Je vais te lacérer la gueule. Non, alors. Sébastien. Voilà. Oh. Ah, t'es pas beau. Faut que je te dise. D'équerre. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Ouvrir. Merde. Fermé. Ah oui, en plus il y avait l'ouvrir. Il doit y avoir une clé ou quelque chose. C'est Obscura, hein. On est d'accord. Ok. Bon, bah, on va rebattre Obscura. Le sol est mouillé ou il est vachement bien verni? On va partir sur la théorie que c'est du sang. Lui qui part sur des théories beaucoup trop fumeuses. Alors, Obscura, ça. Encore toi. Oui, il fallait s'en douter. Du sang. C'est du sang? C'est du sang. Oui, c'est pas du ketchup. Je déteste entendre des musiques. Alors, j'adore la musique, mais entendre des musiques dans ce genre d'ambiance, ça me rassure jamais. Je me dis, bon. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est? La clé! Ah, Obscura va me violer. Ça va être cool. Ah, j'ai trouvé la clé. Ça devrait me rapprocher un peu de cette œuvre. Où tu es, Obscura? Merde. Je peux peut-être l'éviter. Ok, j'ai rien fait, c'est pas bon. Elle me voit plus. Oh.
Voilà, c'est pas bon. Aïe. Est-ce que ça marche? Ça marchait pas. Bon. Ça valait le coup d'essayer comme si c'est bon. Ok, donc faut surtout pas faire de bruit. Non. Mais lâche-moi. Mais je vais mourir en plus parce que je suis con. Ok, donc faut vraiment pas faire de bruit. Alors, on va se refaire en munitions parce qu'elle va me casser les dents. Elle va me casser les dents, clairement. Hop. Carreau explosif. On se met. Oh, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue en fait. Ouais. Attendez. Je suis full quasiment. Ouais. Cette arme là sera beaucoup mieux. Attendez, je me fais mon petit stock. Hein. Ah, je sais pas. J'aurais dû me faire des balles de fusil à pompe. Je suis un peu con. Bon. Y aller discrètement. Ok. Donc ne pas courir. Même si c'est long, il ne faut pas courir. Ok, je peux marcher. Non. Hop, allez. Forcément. Faut qu'elle me perde de vue. Elle va pas faire tout. Ok, je peux pas la tuer. Mais non, mais elle m'entend. Non mais calme-toi. Putain, cette exagération. Ok, faudrait que je la ramène par ici. Voilà. Voilà, j'ai plus d'endurance. C'est cool. Plus vite, Sébastien. J'adore la petite musique en fond. Ça fait genre je fais des trucs de ouf alors que je ne branle rien. On adore. On dirait qu'elle a montré. Oh non, c'est. Ok, j'ai bien fait de me planquer parce que là elle va regarder dans ma direction, je pense. Je suis beaucoup trop fort. Oh bah non. Ouais. C'est une ballerine, c'était une ballerine. Elle s'en va. Ou elle va revenir. Ok, d'accord. Donc va falloir que je me déplace une fois qu'elle sera dos à moi. C'était une ballerine, ça se voit sur moi avec elle et ses pierres. Vite. C'est bon. Voilà. Dans ta gueule. Je suis passé. Chance, ces trucs me laisseront tranquille à maman. Allez, on y va. Alors, je sens tellement le boss. On recharge, on sait jamais. Ou alors non, ça va être chambre de la clé. Clé de la chambre, c'est une chambre. Voilà mon œuvre d'art. Oh non. What? Ok. Ok, donc il n'y a pas de combat, à proprement dit. Juste des cordes. Alors fais gaffe aux cordes. Et normalement ça devrait le faire. Ok, donc j'arrive quand même à les voir, même s'ils sont pas très Hoffman, visibles. J'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. Normalement ça passe. On se calme. Normalement ça passe ici. Oui. Ok.
C'est parti. Nice. Et 2-1. Il nous manque le deuxième et on va au théâtre. Détruire le travail de Starry a vraiment un effet thérapeutique. Mais ça n'est pas encore fini. Encore un. Ok. Servez-vous de votre communicateur. Non mais je sais déjà où il est là. Donc on se calme tout de suite. On commence pas à m'agresser. Enfin, je vais retrouver l'autre folle composée de morceaux de gens là. Et avec la chance que j'ai, il va falloir refait spawner. Refait spawner déjà. Ah, juste, est-ce que je peux faire spawn? Je peux. Il vous manque ses composants. Non, je m'en bats les couilles. Ah, je n'ai plus, j'ai que deux plantes. Est-ce qu'il y a l'autre folle? Ok, elle m'a pas vu. Je vais juste me barrer. Parce que là, elle va s'amuser avec le bus, je pense, comme tout à l'heure. Et je vais essayer de passer le plus loin d'elle possible. Ok, bon, un tableau sur deux, c'est toujours cool. J'ai déjà récupéré les munitions sur toi? Ouais, sûrement. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Ah ouais, non, d'accord, c'est juste un toit. Est-ce que de là où je peux voir la ville où j'étais au début? Bah, j'en sais rien. En fait, je sais pas où est-ce qu'il faut que je regarde. Bah, c'est peut-être ça. Ça me paraît vachement grand, quand même. Bon. On est parti. Donc, du coup, j'ai claqué mon hache pour rien. Ah, je fais le grand tour, hein. Ah, nicely done. Des petites munitions. Normalement, c'est des munitions, ça, si je me trompe pas. Oh. Bah oui, ah oui, bah oui, c'est le first kit. Je vais l'utiliser, parce que de toute façon, je peux en avoir qu'un. Sur moi, j'aurais dû l'utiliser après Obscura. Je suis un peu con. Mais j'ai encore des balles. Oui, j'ai encore 8 balles. Je vais juste m'équiper de l'autre flingue à la place. De toute façon, j'ai juste à faire flèche de droite et je suis équipé du... On va appeler le B23R, hein. Petite référence à Black Ops 2. Comme ça, voilà. Alors. Il y a l'air d'y avoir pas grand monde. Une plante, comme ça. On en profite. On refait. On fait ça. Ah, la grande. Il y a l'autre folle. Et je sais pas tellement où elle est, donc je vais essayer de m'en aller. Ouais, ça touche, dommage. Bon, j'ai utilisé des cartouches, mais moi ça me permet d'avoir des trucs. Parce que là, il y avait l'arbre. Ouais, il y avait pas mal de choses. Ouais, bah heureusement que j'ai fait ça. Par contre, j'en ai tué deux. Je t'ai tué, toi, en même temps. Cool. Voilà, comme ça, au moins, je me suis refait en clous, en tout ça, tout ça. Bon, malheureusement, il n'y en avait aucun qui avait une hache. Et ça, c'est un peu triste. Parce que la hache, c'est quand même le one-shot assuré. Enfin, hormis les boss. C'est le one-shot assuré. Non, bah, c'est tout. Il n'y a rien là-dedans. J'entends l'autre folle. Ok, elle est là. Je sais pas trop quel flingue j'ai. C'est un Glock. Elle m'a vu. Super. C'est ici. Hop, allez. Le mec, il t-bag, hein. Je suis dans un jeu solo, j'arrive à t-bag. Je suis quand même un sacré connard. C'est pas, non, c'est pas du tout le bar où on était avec où Kidman est venu me chercher au début du jeu. Il ressemble pas du tout à ça. Alors, ah, journal du barman. La dernière entrée de ce journal usé. D'accord. J'ai cru que c'était est usé, mais bref. La brasserie est en plein essor. Les affaires vont bien. Il y a plein de nouvelles têtes à Union ces temps-ci. Les gens arrivent en train et ils ont soif. Si ça continue comme ça, je pourrai enfin me payer de bonnes tireuses à bière. Les tireuses à bière, c'est pour mettre la bière. Ils parlent pas de femme. Enfin, je préfère prévenir, tu vois, il y a des gens un peu bizarres. Pete se plaint qu'il y a trop de monde. Moi, je dis que plus on est de fous, plus on rit.
Il a toujours été un petit peu irascible, mais il est vraiment bizarre ces derniers temps. Il s'assoit à son endroit habituel, regarde les nouveaux clients d'un œil mauvais et parle dans sa barbe. Je devrais le mettre à la porte, mais il a toujours été mon meilleur client. Interesting. Alors vous les avez entendus, ces perturbations. Et vous aussi, vous vous dites, je vais encore me taper le fantôme. Et moi, et oui, je le sais, je le sens, je veux pas, mais si, ça va se passer. C'est dégueulasse, hein, comme tableau, hein, quand on y pense. Bon, et bah c'est parti. Est-ce que je vais me refaire attraper la bras? Finissons-en. Ah bah d'accord, j'étais même déjà prêt à y aller. Là, la porte va se fermer, ok. Ok, donc, le couloir est pas du tout inquiétant. Est-ce que c'est le fantôme ou est-ce que c'est encore Obscura? Ça se peut que ça soit encore Obscura. Ne flippe pas. Tu deviens une œuvre d'art. Tu vas faire partie de mon Obscura. Ok. C'est très très chaleureux comme ambiance, dira-t-on. La chair. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des choses. Moins malléable que l'argile, mais plus douce encore que le marbre. Le matériau parfait. Alors, nous allons crafter. Vous savez comme moi que je vais me faire violer. Il nous faut des trucs explosifs. Il nous faut des trucs qui vont faire du bien. Ah, impossible de se concentrer avec ces cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Oh, pas forcément. Qu'est-ce que tu m'offres? Des carreaux fumigènes pour pas que je me fasse voir. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouais, il va nous falloir ça, le silencieux on dit vite. Ok, ouais, ok, ça va juste être des mobs, je pense. Ok, bouclé. Ok, je t'ai eu. Toi, tu fermes un peu ta gueule. Mec, trop violent. Ok, si c'est que des mobs, ça va. En vrai, ça va être simple. Il en reste un. Voire plus, mais il en reste. Ok. On va s'équiper. Alors, je voulais pas faire ça. Comment on fait? Ah non, mais non, je veux pas faire ça, en fait, non. Je suis juste con, j'étais en mode, oh, c'est bizarre, ça fait pas ce que je veux. Bah ouais. Ça me permet d'utiliser juste des balles de flingue. Enfin juste, c'est quand même des balles de flingue quoi. Mais je préfère utiliser des balles de flingue que des carreaux d'arbalète. Ça coûte beaucoup plus cher les carreaux d'arbalète. C'est cool ça, comme ça au moins dès que je retournerai dans la salle, je vais pouvoir me faire me mettre bien. Ok, donc on retourne jusqu'à Obscura. Alors je vais beaucoup dans ce menu là, mais ouais alors ça devient compliqué. Ok, toi t'as rien looté, d'accord, t'as explosé, c'est tout. Oh bonjour, dans ma vie j'explose. Ok, c'est bon. Spam croix. Hop, allez, on est passé. Alors.
enfin entre nous. Je pense que ça va être exactement le même principe que le premier, sauf que ça va pas être le même parcours. Alors, hop, on met la petite clé dans le trou-trou. On entre. Et... exactement la même chose. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ok. On est parti. Attendez. Comment je fais pour passer? Ah, ok. Attendez. Comment je fais pour passer? D'accord, c'était peut-être de l'autre côté en fait. Ah oui, ça a l'air d'être beaucoup plus simple par là. Enfin, beaucoup plus simple. Je sais pas si c'est un one shot, j'essaierai bien. Mec, un peu SM. D'ailleurs, j'ai quoi envie? Ok, je suis full. Ah, je déteste quand ça fait ça. Pour des raisons simples, bah que ça fait du bruit. J'aime pas le bruit. J'aime être dans le silence. Vous aimez être aussi dans le silence? Soyons dans le silence. Ça fait beaucoup de lance, mais... mais voilà. Hormis cette vanne de merde. Ok, allez. Poussé. Et on ressort de ce tableau. Et voilà. Nous avions donc terminé. Nous pouvons enfin entrer dans ce fameux théâtre. Le tableau qui tombe mais qui se désintègre avant de toucher le sol. Ça devrait avoir marché. Voyons si je peux entrer dans le théâtre maintenant. Ah! Et toi tu squattes. Quand même une sacrée salope. Là, je croyais que c'était quelque chose à récupérer, mais non, c'est... ok, donc comment on va faire? Parce que toi, va falloir que tu bouges. Le théâtre, il est à gauche ou à droite? Il est tout droit, d'accord. On se casse. Allez, go. Avant d'entrer dans le théâtre, on va revoir Sykes, histoire que je puisse aller m'améliorer avec le gel vert que j'ai récupéré. Vu qu'il est juste là, on va en profiter. Et ensuite, on va s'occuper de Stefano. Enfin, je pense pas que c'est avec maintenant qu'on va le tuer. Ou alors le jeu serait vraiment trop court, mais... mais enfin, voilà. Allez, hop. Bonjour, Sykes. Je viens juste m'améliorer parce que j'aime bien. Alors, on va aller s'améliorer. Regardez la diapo en même temps et ensuite on va au théâtre. Alors, salle de Sébastien. Café Garnoff. On va regarder la diapo avant parce que de toute façon je suis juste devant. Comme ça, il m'offre du gel vert. C'est moi, Kidman. Heureuse de vous entendre. Après Beacon, j'ai essayé de comprendre tout ce qui m'était arrivé. Mais tout le monde disait que j'étais fou. Ou que je cachais la vérité. J'ai commencé à croire qu'ils avaient peut-être raison. J'étais peut-être cinglé. Je me sentais tellement frustré. Inutile. Boire était le seul moyen d'atténuer la douleur. Tellement de temps gâché. J'aurais pu faire tellement de choses. Putain. Pas la peine de vous en vouloir. Quand Mobius n'a pas envie qu'on les trouve... Ne me cherchez pas d'excuses, Kidman. J'ai merdé. Écoutez, ce n'est pas le moment de ressasser le passé. C'est le moment de rattraper les choses. C'est en vous apitoyant sur vous-même que vous avez commencé à boire. Vous avez une chance de retrouver ce que vous avez perdu, gardez ça en tête. Pas facile. Mais c'est vrai. Vous avez raison, Kidman. Merci. Ok, bon ça on le savait déjà, on le sait au début du jeu. Alors, un petit gel vert. Merci bien. 11850 et peut-être potentiellement plus. J'ai des pièces. Alors quelle arme faudrait qu'on améliore? En soi on a toutes les armes au niveau 2, mais le sniper je l'utilise pas plus que ça, donc ça sera un peu con de l'améliorer. Le pistolet, parce que le pistolet... ouais d'accord, ok. Je me suis dit je vais améliorer le pistolet est en mode non tu m'améliores pas. Laisse tomber. Ah, d'accord. Euro explosif. Hop. D'accord, il me manque 5. C'est pas si grave. On va aller s'améliorer le cerveau, littéralement.
Alors. Vous n'arrivez plus à vous passer de moi, on dirait. Tatiana, calme-toi par contre. C'est juste parce que je récupère du gel vert. Donc on se calme. Alors. Pique-nique douche, te prends les couilles. Ici. D'accord. Pique-nique douche, t'as mal aux couilles. Oui, t'as tout ton mal. Ah, cool. En plus deux, en plus. Ah, mais il m'en reste. J'ai pas pu toutes les récupérer. Cool. Oh, si jamais. Hein. Hop, on va aller s'améliorer le cerveau. Alors, Ah, en vrai. Ah, putain, j'ai pas assez. La santé totale issue d'une régénération après une mort imminente est augmentée. Récupération, j'ai pas beaucoup mis de choses donc. Utiliser automatiquement. Ah, ça c'est cool. Hop, et le dernier, on va le mettre dans l'agilité, s'il vous plaît. Ah, j'ai plus salué le vert. Bah, ici alors, c'est quoi ça? Non, on peut pas. La furtivité. La furtivité, j'ai pas. Non, le combat aussi, j'ai pas grand chose. J'arrête d'utiliser. Voilà. Allez. On y va. On s'est bien mis tranquille. Donc. On va aller dans ce fameux théâtre. Et en même temps, on va pouvoir améliorer un petit peu. Parce que j'ai récupéré des petites pièces. Donc. Ouais, c'est toujours autant de pièces. En fait, j'aime beaucoup jouer avec ça. Donc. D'accord. Je suis peut-être un peu ricain aussi en utilisant ça. Le flingue, j'aimerais bien l'améliorer. Oh, j'aimerais bien. Oh, augmente la vitesse de. On s'en fout. Mais j'aimerais bien. C'est où? Ah, ouais, d'accord, c'est marqué les armes concernées en dessous. C'est cool. C'est cool, ça veut dire que n'importe quelle arme, même les armes que j'ai dans. Que j'ai eu dans le Last Chance Pack. Enfin l'arme parce que j'ai eu que le B23R. Alors on sauvegarde et on y va. Tout simplement, je sauvegarde comme ça au moins. 8h18 de jeu quand même. Hein. C'est pas si mal, hein. Juste pour le chapitre 7. Alors, on est parti. Bah voilà, bah on est parti. Mais t'as dit que t'étais parti. Oui, bah je pars deux fois. Hop, on ferme la porte. Et on est parti. Trois fois, oui, je sais. Je sais. Allez. Alors, normalement, j'avais pas d'ennemis sur la route. C'est ce que je me souviens. Ça a l'air d'être vachement risqué là-dedans, quand même. Hein. Ah, je sens que ça va piquer au niveau de tout ce qui est urètre. Hein. Ah, je vais le sentir passer. Hein. Mais bon, je suis préparé avec ce que je peux. Je suis pas plus visité que ça, mais en même temps ça me fait chier de visiter. Juste pour récupérer, pour farmer les munitions, c'est un peu chiant. Je préfère aller directement dans le combat. Allez, viens là mon petit Stefano. Bonjour. Deux places pour aller voir Kingsman, le cercle d'or s'il vous plaît. Merci. Allez, il m'a offert des places. Alors, à gauche ou à droite? Je suis gaucher, c'est parti. Forcément quelque part par ici. Perspicace le Castellanos. Chapitre 8. Première. Alors personnellement je suis en terminale. C'est quand même bien glauque comme photo. Même mes photos de Nathan Prescott dans Life is Strange pour ceux qui vous connaissent. Vous osez détruire mon travail? Ils sont pas aussi glauques. Vous pensez que je vais me plier à votre volonté? Oui. Vous êtes comme eux. Qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. Et ils le gâchent, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Vous voulez m'arrêter. Mais vous avez tous échoué. Parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours.
C'est toujours cool de parler à des bâtiments. Alors comment je fais? Ok, d'accord. Comment je fais pour passer, pour aller ici? Parce que j'aimerais bien aller taper dans le truc qui est là-bas. Donc je ne peux pas. Ok, c'est très bien. Non mais j'adore. Il se passe quelque chose par ici? Genre, je sais pas. Une statue de la Vierge. Il y a l'air de pas avoir grand chose ici. Ok, c'est fermé. Bon bah on va monter hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Une porte! Je le savais. Stefano s'est transformé en porte. Non mais je l'avais. D'accord. Je l'avais su dès le début les gars. Hein. Faut pas faire genre. Je vais quand même monter hein. Ils veulent qu'on aille vers la porte mais. Voilà. On récupère ça. J'ai attendu ça toute ma vie. J'ai attendu ça toute ma vie. Toutes mes deux vies. Fini de lutter. Fini les critiques de Béotiens. Fini de céder aux avis ineptes de néophytes ignorants. Fini la répudiation par les simples d'esprit. Je suis enfin libre d'être ce que je suis réellement. Un artiste. Et je dispose de la plus belle toile jamais créée. Le monde connaîtra enfin et vénérera le nom de Stefano Valentini. Ok, le mec était complètement taré. Le mec, il fait tout au nom de l'art. Complètement taré, hein. C'est juste une photo, mon gars. Bon, ok, pour certaines personnes, ça a une grosse valeur, mais... C'est même très joli pour certains, mais calme-toi au bout d'un moment. Et action. Ah non, dommage. Qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres gens? Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin. La fille, où est-elle? Je vous félicite d'être arrivé aussi loin. Si la persévérance était une forme d'art, vous en seriez un maître. Peut-être pas un Michel-Ange, mais au moins un Van Gogh. Ça suffit les tirades artistiques à la con! Où est-ce qu'elle est? Le noyau est sauf. Avec moi. Je l'ai emmené sur ses ordres. Mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoirs... Ah, comment aurais-je pu la laisser? Ce que je fais est bien plus important qu'un vulgaire profit personnel. Il n'aurait jamais pu comprendre ça. Il? Qui ça, il? Ça n'a plus d'importance. Il ne sera bientôt plus là. Alors que mon travail, lui, perdurera. Oh merde. Cours. Picasso a eu sa période bleue. Pour ma part, je suis entré dans ma période écarlate. Merde. Non, arrêtez! Admirez ma dernière création. Non! Magistral, un bouquet de chair et
sang. Espèce de malade. Comment pourrais-je jamais faire mieux? Je trouverai un moyen. Sa peur est une source intarissable d'inspiration. Rien de tel que la corruption de l'innocence pour attiser le feu de ma créativité. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne ferez rien de sa puissance. Vous êtes un Néandertal, vous ne comprenez rien. Elle serait inutile entre vos mains. Ah, c'est un peu ma fille, tu vois, je fais ce que je veux avec. Enfin, je fais ce que je veux dans les limites... du monde humain, quoi. Enfin, les droits de l'homme, quoi. Je vais t'en cabrer, connard. D'équerre. Bon, alors, à part que c'est absolument dégueulasse ce qui vient de se passer. Sinon, c'était très beau. Enfin, vachement bien orchestré. GG à vous, Bethesda, parce que j'étais en mode... Waouh. Ok. Donc, rayon égale pas bon. Putain de merde. Ok. Ok, ça part en partie de cache-cache contre connard. Ok, on adore. Bon, lâche-moi de l'œil. Je déteste ce genre de séquence parce que c'est trop long. Mais genre beaucoup trop long. Bah tu te fais chier. Hein, on va pas se le cacher, tu te fais chier. Mais voilà. Au moins ça joue sur ton stress, t'es pas bien, tout ça, tout ça. Mais c'est long. C'est beaucoup trop long. Allez, on va au plus loin. D'accord, t'as 4 bugs. Mais d'où tu te refocuses sur moi comme ça, toi? Ou alors j'ai peut-être pas le droit de courir. Ça doit être ça. J'ai pas le droit de courir. Sinon... Oula. Ok... Ah ah! Genre, est-ce que ça marche vraiment? Genre qu'il y ait des éléments qui passent devant et donc du coup... Wesh! Hop! Allez! C'est quoi ça? Un fusible. Mais qu'est-ce que je foutrais d'un fusible? Petite minute. Là, j'ai pas énormément de planques. Ah, d'accord, il regarde du dessus. Donc au final, j'ai des blancs. Juste ici. Bah ouais, mais... Bah, je me suis fait arracher, mais vous voulez que je me planque où? Enfin, je veux dire, il était au-dessus. Pour moi, pour se cacher de au-dessus, faut aller sous un toit. Et j'étais sous un toit. Enfin, bon, hein? C'est pas très très sympa, ça, Zevloisen. Peut-être fallait que je me planque contre le mur. Je sais pas trop. Est-ce que j'ai un toit au-dessus de moi? Bah ouais. On va se planquer ici. Ok, donc là je suis planqué. Ok, pas bonne idée.
descend. On se plante contre ce mur là. Par contre là. Ah ouais, non, c'est bon, ça passe. En vrai, ça peut passer. Attends, je crois qu'il revient. Ouais, voilà, il revient genre instant après. Faut faire attention. Hop, les voilà. Ensuite, on se planque là-bas. Là, je me planque bien contre, en dessous de quelque chose pour être sûr. Je suis un connard. Non, c'est bon. Bah non. Si. Ok, là faut s'en aller. Ok. C'est bon. Ouf. Bon, où t'es passé, bordel? Donc nous allons nous arrêter ici pour cet épisode qui dure quand même déjà 47 minutes. On se retrouve demain pour la suite de The Evil Within 2 pour l'épisode 14 et nous allons voir ce qui va ensuite se passer. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, eh ben regardez le prochain bien évidemment. Sur ce, je vous dis salut, salut et salut tout le monde.